Thank you everyone for your... Merci de votre patience. Je vais recommencer ce que je voulais vous dire. Bienvenue au lancement du rapport de la sénatrice Moody. C'est une initiative collaborative du commissaire aux enfants au Canada. Je m'appelle Jasmine, je fais partie de son équipe et je serai votre animatrice aujourd'hui. Avant de commencer, il y a quelques notes que j'aimerais partager avec vous. Nous avons l'interprétation simultanée en anglais et en français. Afin d'utiliser ce service, cliquez sur le point interrogation en bas de votre écran. Si ça ne fonctionne pas, cliquez sur les trois points et vous devrez voir les options à ce moment-là. Nous allons nous excuser à l'avance. Nous avons déjà eu quelques problèmes avec le côté technique. Alors, il y aura peut-être des moments où le système ne fonctionne pas comme il faut. Alors, on s'excuse à l'avance si ça se produit. Ce sera enregistré. Alors, si vous ne voulez pas participer à cela, je vous encourage à fermer vos caméras. Sinon, j'aimerais vous encourager à laisser vos caméras ouvertes afin que quelqu'un puisse vous voir. Mais restez en sourdine si vous n'avez pas la parole. Sur ce, je donne la parole à la sénatrice Moody. Merci, Jasmine, et bienvenue tout le monde au lancement de notre rapport axé sur les jeunes. Ça représente plus d'un an de consultation avec presque 500 jeunes à l'échelle du Canada. Tous ces gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour élaborer le rôle d'un commissaire aux jeunes et aux enfants. Et ça représente aussi la façon dont nous pouvons utiliser ce bureau pour souligner les enjeux qui touchent les jeunes, pour avoir un Canada plus inclusif et juste. Avant de commencer cet événement, je veux reconnaître que nous avons beaucoup de personnes qui participent aujourd'hui sur des territoires non cédés un peu partout au Canada. La terre des personnes autochtones, inuites et métisses. Je reconnais qu'en tant que sénatrice, je travaille et je vis sur le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Aujourd'hui, je participe à partie de terres traditionnelles des Hurons, Haudenosaunee et plus récent, les Mississauga de la vallée de Credit. Grand remerciement spécial aux leaders parmi les jeunes qui prendront la parole ici aujourd'hui. Eux, avec leurs pères, ont mis beaucoup de temps, énergie et ressources dans l'élaboration de ce rapport en collaboration avec mon bureau et avec nos partenaires. Et je suis ravie que ces personnes aient pu se joindre à nous aujourd'hui pour partager leurs idées sur le rapport. Je vous redonne la parole, Jasmine. Merci, sénatrice. Et j'invite maintenant l'honorable Landon Pearson à nous parler. Merci, Jasmine, et je vous remercie tous d'avoir organisé cette rencontre. Je suis ravie de participer à ce lancement. Je trouve que je ne peux pas mettre mes lunettes en même temps que les écouteurs. Donc, je vous lis un texte, mais je ne le lirai peut-être pas très bien par moment. C'est un autre pas vers l'objectif établi pendant l'année internationale de l'enfant il y a 40 ans. Donc, ça prend beaucoup de temps pour lancer des initiatives comme celui-ci. Nous avons demandé un centre de responsabilité au niveau fédéral pour les enfants. En tant que commission, nous avons noté combien les circonstances ont changé pour les enfants qui grandissent au Canada. L'interprète regrette, le son n'est pas très clair par moment. J'ai participé à l'élaboration de beaucoup de lois au niveau fédéral et nous avons également noté que personne n'était vraiment responsable de porter attention à cet aspect des vies des enfants et de l'impact sur les enfants, des décisions prises. Alors, je me souviens du juge Ogilvie qui était le président. Moi, j'étais la vice-présidente. Et nous avons présenté notre rapport au premier ministre Trudeau père. Le gouvernement a bien répondu, mais rien ne s'est fait par la suite. Alors, quand je suis devenue sénatrice en 1994, quand le Canada avait ratifié la Convention sur les droits de l'enfant, j'ai repris la charge.
inaudible avec un collègue de la Chambre des communes pour mettre sur pied une institution des droits de la personne au niveau fédéral pour les enfants, tel que ça avait été demandé par le comité des droits des enfants à Genève quand nous avons ratifié la convention et quand ça a été mis en œuvre. Et finalement, le Sénat, après que moi j'ai pris ma retraite, a émis un rapport intitulé « Les enfants, les citoyens silencieux ». Et dans le rapport, on a souligné que pas grand-chose avait été fait. Mais nous avons eu l'interprète regrette, mais le son n'est pas assez clair pour interpréter. C'est formidable que la sénatrice Moody a repris ce travail avec ce résultat. Il y a eu des consultations à l'échelle du pays, ça a été le résultat, et c'est un élément excellent de ce rapport. J'espère que ce sera une entreprise qui aura un succès final, le succès finalement. Je vois que j'espère que vous avez le même grand intérêt que moi, mais j'aimerais rajouter quelques réflexions. Ayant pensé à cela depuis 40 ans, de ce centre des responsabilités, j'ai pensé à plusieurs choses. Une des questions que je me suis posée depuis un certain temps, c'est est-ce que les enfants veulent vraiment que quelqu'un d'autre inaudible. Ou est-ce une porte qui s'ouvre sur les coulisses du pouvoir? Moi, je suis de plus en plus convaincue que les enfants veulent prendre la parole pour eux-mêmes, et non seulement d'être consultés. Et c'est parce qu'ils sont des vraies personnes, experts pour ce qui est de leur propre vie, peu importe leur âge. Et ils sont aussi des experts en matière de la culture de leur génération. Moi, je n'ai pas grandi dans cette culture. Alors, comme je dis bien, quand je passe du temps avec mes petits-enfants et maintenant mes arrière-petits-enfants, le monde a changé de façon dramatique pendant ma vie. Inaudible. Beaucoup des défis pour les enfants maintenant sont des nouveaux, surtout pour ce qui est l'histoire de changement climatique. Les enfants ont besoin de partenariats plutôt que de recevoir des directives. Nous avons besoin des enfants encore plus qu'ils ont besoin de nous. Inaudible. Nous avons besoin les uns et les autres, c'est la vérité. Comme les enfants ont dit à l'Assemblée à l'ONUSienne, ils ont dit qu'un monde qui est apte pour les enfants est un monde qui est apte pour tout le monde. Donc, félicitations à la sénatrice Moody et félicitations à tous ceux et celles qui ont participé. Et je vous encourage tous à lire le rapport. Merci, Madame Pearson. Ensuite, je donne la parole à Semi Sahota et Megan qui vont parler au nom des jeunes. Semi Sahota est un membre des Enfants d'abord Canada, Parlement des jeunes canadiens et du Conseil consultatif des jeunes. Je vous donne la parole. Bonjour tout le monde. Comme je dis, vous avez dit, je suis Semi Sahota, une lycéenne de 17 ans de Surrey, BC. C'est vraiment un honneur d'être ici et d'avoir l'occasion de parler avec vous de quelque chose d'aussi important. Ce projet de loi portant sur la création du Bureau du commissaire à l'enfance et à la jeunesse du Canada, c'est un peu long, mais c'est vraiment une lueur d'espoir en des temps troublés.
Le fait d'avoir participé à l'élaboration de ce rapport n'a fait que renforcer mon optimisme. J'ai commencé à participer en tant qu'animateur et conseiller jeunesse en 2021, il y a un an. Je veux dire que le progrès a été incroyable. Au début, j'étais novice dans le domaine et je me souviens d'avoir été très nerveuse avant d'animer une séance d'engagement pour la première fois. Je me souviens que j'avais les mains moites pendant que je me connectais à un call Zoom et j'ai trébuché sur mes mots plusieurs fois. Mais comme je fais maintenant, mais j'ai survécu. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ces séances sont organisées, nous avons eu la chance d'animer des groupes de jeunes divers à travers le pays et à recueillir des informations pour ce qui est de la création d'un commissaire. J'ai rencontré tellement de jeunes incroyables qui se sont exprimés et avaient des idées uniques auxquelles je n'aurais jamais pensé. J'ai eu l'occasion d'être le témoin direct de l'intelligence de certains jeunes au niveau national. La seule chose que je n'ai jamais rencontrée dans toutes les nombreuses séances, c'était quelqu'un qui ne pensait pas que le commissaire était nécessaire ou vital. À travers le Canada, il était clair que les jeunes pensaient qu'un commissaire à l'enfance serait bénéfique. À la fin des mois de session d'engagement, nous avons changé de vitesse et j'ai changé de rôle, passant d'un animateur à un conseiller jeunesse. Je me souviens d'avoir vu tout ce que nous avons recueilli pour rassembler le rapport. Et même si ce n'était pas terminé, j'avais l'impression nous prenait au sérieux. Même dans le rapport final, nous avons pu voir beaucoup de nombreuses citations directes de jeunes qui soulignent encore à quel point le sénateur Moody a de vrais soucis. Alors, ce n'était pas la première tentative d'établir ce commissaire, mais j'espère que ce sera le dernier. On se remet de la pandémie du 19 COVID et les enfants ont besoin de soutien direct. C'est pourquoi la nécessité d'un commissaire est maintenant. L'avenir du Canada repose là-dessus. C'est essentiel qu'on ait les conditions essentielles où les enfants sont sains et saufs et peuvent prospérer. Le Canada est un pays qui devrait jouer un rôle de chef de file. C'est pourquoi ce rapport est quelque chose qui me passionne tellement. Je ne peux pas trop souligner le fait que le changement constant est nécessaire. Je vous remercie tous d'être ici pour le lancement du rapport. C'est formidable de voir des gens qui participent et ça me donne beaucoup d'espoir. J'aime vous aussi remercier les techniciens et les gens qui ont travaillé sur le rapport. Et aussi, je voudrais surtout remercier l'honorable sénatrice Moody, une championne des droits et du bien-être des enfants. Et je veux remercier les jeunes qui ont consacré tellement d'heures à la création de ce rapport. Jeunes sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Comme vous le savez, les enfants représentent près d'un quart de la population. C'est énorme quand on y pense. Pourtant, le Canada ne dispose même pas d'un bureau chargé de promouvoir, de surveiller ou d'enquêter sur les droits des enfants. C'est donc l'un des rares pays du monde industrialisé qui ne dispose pas d'un mécanisme indépendant pour surveiller les droits et le bien-être de ses enfants et de promouvoir leur intérêt supérieur dans la loi et les politiques. Au cours de la dernière décennie, le Canada a régulièrement chuté dans les classements mondiaux en ce qui concerne le bien-être des enfants. L'un des faits les plus inquiétants est le taux de suicide terrifiant qui est le reflet direct de ce que ressentent réellement les jeunes au Canada. Bien qu'il faille du temps pour que ce projet de loi soit adopté par le Parlement, il s'agirait d'un formidable premier pas en avant pour le Canada et d'un véritable symbole d'espoir. En tant que jeune qui a de la chance de parler avec les hauts placés et de représenter mes pairs, je sais que le fait d'avoir enfin un siège à la table pourrait faire une énorme différence, non seulement en raison des résultats, mais aussi en raison du parcours pour vous et pour les générations futures. Il serait donc utile au gouvernement d'affirmer que la Commission européenne n'est pas obligée de se retirer de la table de négociation. En revanche, ils ont besoin d'être financés et soutenus par le gouvernement pour remplir efficacement le mandat. Ce que les jeunes veulent, c'est un commissaire qui rendra le gouvernement responsable de ses actions et qui aura le pouvoir de s'élever contre le Parlement si les délais ne sont pas respectés et si les accords ne sont pas suivis. Mais surtout, nous voulons quelqu'un qui ouvre un dialogue directement avec nous. Je souhaite également que ce commissaire
soit chargé de sensibiliser le public et les politiciens au fait qu'ils ont eux aussi été des enfants qui avaient besoin de se sentir aimés, appréciés et respectés, comme tout le monde. J'espère que le commissaire aura le pouvoir d'apporter de réels changements pour les enfants, pour le mieux et à long terme. Comme mes pairs de tout le Canada l'ont dit, il est très important que le bureau du commissaire amplifie la voix des jeunes et ne parle pas au-dessus de nous, et qu'il représente la diversité des jeunes plutôt qu'une seule idée individuelle de la jeunesse. On nous a écoutés et nous avons pu présenter les questions qui nous préoccupent. Pour le gouvernement, j'espère que vous nous écoutez. J'espère que ce pays réalise enfin que nous avons besoin de quelque chose comme ça et qu'il transforme ce projet en loi. Non seulement parce qu'il continuera une base solide pour la protection des enfants, mais aussi parce qu'il aidera les enfants actuellement dans le besoin. Nous avons besoin d'action et ceci est un début prometteur. Nous méritons mieux que d'être oubliés. Nous méritons mieux que d'être ignorés. Nous ne sommes pas perdus. Nous sommes là. Nous sommes bruyants. Nous sommes jeunes et nous sommes forts. C'est en partie grâce à nous que ce rapport a pu être lancé. Il est temps que toutes les pièces s'assemblent. Ce pays, ce Parlement, ses membres, ses parents et ses jeunes. Merci d'avoir pris le temps d'avoir écouté la voix des jeunes. Merci beaucoup à ces jeunes qui ont présenté. Nous allons maintenant voir les co-auteurs, le docteur Yabenda et Josh Dadjo, et nous invitent de présenter le rapport. Bonjour tout le monde. Je voulais commencer en disant que je ne suis pas très heureux d'avoir à suivre ces jeunes qui parlent si bien. Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont pris le temps de nous joindre cet après-midi. Le travail accompli dans ce rapport est historique. Nous vous remercions d'avoir pris le temps aujourd'hui pour en faire connaissance. La présentation cet après-midi sera en anglais, mais la traduction simultanée est disponible et nous partagerons la version française de la présentation sous peu. My name is Josh Dadjo. I am Senator Moody. Je m'appelle Josh Dadjo et j'ai l'honneur d'être le conseiller des affaires parlementaires pour le sénateur Moody. Et je voudrais demander au professeur Bendo et moi-même, nous allons vous présenter les points saillants de ce rapport. Mais avant qu'on parle de la présentation, je voudrais reconnaître ce forum et le rôle que ça a joué. Elle a joué un rôle important pour rédiger et toutes les conversations que j'ai pu avoir avec elle. Ça a toujours été important d'écouter les gens, de mettre l'accent sur les jeunes. Alors, Daniela, je merci beaucoup. Prochaine diapositive. Bon, alors avant d'aller plus loin, je voudrais que tout le monde soit sur la même page quand il s'agit de parler du commissaire. Nous avons entendu ceux qui m'ont précédé, mais quand nous utilisons le terme commissaire ou centre de responsabilité, là, il s'agit d'un agent indépendant du Parlement qui aurait trois fonctions. La responsabilité, la défense et le dialogue. Ça veut dire qu'on regarde toutes les politiques, les législations pour voir comment ça affecte les jeunes et pour voir comment ces politiques peuvent mieux répondre aux besoins des jeunes. Alors, quand il s'agit de la défense des droits, là, il s'agit de soulever les questions qui sont importantes pour les jeunes et les enfants, surtout quand ce ne sont pas la priorité pour les parlementaires. Ils ne sont peut-être pas au courant, tout simplement. Et le dialogue, c'est de parler avec les enfants et les jeunes là où ils sont et de leur offrir une plateforme pour qu'ils puissent directement participer dans la vie parlementaire. Alors, nous avons commencé avec le projet de loi S-220. Alors, ça a commencé au début de 2019 et après les discussions
Il y a eu de la recherche et nous avons, au mois de juin 2020, nous avons pu déposer. Et après la prorogation à l'automne, nous avons pu voir clairement que la prochaine étape était une campagne d'engagement avec les jeunes et les enfants à travers le Canada. Alors, nous nous sommes joints à des organisations et la liste, vous l'avez là, pour que nous puissions créer une collective pour travailler ensemble, pour entendre les voix des jeunes. Alors, ensemble, nous avons conçu et organisé des ateliers avec les organisations à travers le Canada. Nous avons eu 35 ateliers avec un total de 402 jeunes et encore 89 qui ont participé avec un sondage en ligne. Et on a pu faire en sorte que les jeunes participent dans la rédaction du rapport pour ce qui devait être inclus et quels devaient être les éléments essentiels de ce rapport. Donc, ils étaient au centre de ce rapport. Alors, je passe la parole au professeur Bendo. Merci beaucoup, Josh. Merci beaucoup. C'est tout un honneur pour moi d'être ici. Je vais vous parler de la méthodologie. Si vous voulez passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je voudrais remercier Alexandra pour tout son travail pour faire en sorte que l'initiative et le projet puissent aller d'avant. Il y a eu beaucoup d'heures, beaucoup de dévouement. Alors, moi, je vais vous parler de la méthodologie pour vous donner une idée de comment le projet s'est déroulé. C'est important de noter qu'il y a des lacunes dans la littérature des universitaires et au niveau international. Et il n'y a pas de littérature qui prend le point de vue des jeunes. Alors, ce projet comble ce vide. Alors, la méthodologie pour ce rapport a été conçue de façon à mettre l'accent sur les jeunes, une approche collaborative qui permet aux jeunes de parler pour expliquer ce qui est important pour eux. Nous avons eu 35 ateliers à travers le Canada, avec plus de 400 personnes, jeunes qui ont participé. Alors, c'était très important de pouvoir parler avec les jeunes de différentes organisations. Et il y avait des facilitateurs formés qui nous ont aidés à avoir ces séances avec les jeunes. Une fois qu'on a pu rassembler toutes ces données et l'analyser, nous voulions parler avec les jeunes, avec des séances de discussion avec les jeunes. Et ça, c'était très important pour demander si les données étaient justes et s'ils avaient d'autres idées qu'ils voulaient partager et comment ils voulaient que le rapport se présente. Alors, quand vous allez pouvoir lire le rapport, vous allez voir que les idées des jeunes, c'est vraiment inscrit dans la présentation du rapport. Josh a parlé du fait que nous avons aussi fait un sondage pour, en supplément, de cet exercice pour les gens qui aimaient mieux partager leur travail en ligne. Donc, nous avons plusieurs approches, mais on a mis l'accent sur une approche qualitative. Dans le rapport, vous allez voir qu'il y a on demande s'il faudrait qu'il y ait un commissaire et des jeunes ont répondu oui et on a demandé si le commissaire se mettre l'accent sur d'autres problèmes systémiques. Quel devrait être son rôle? Qui devrait nommer le commissaire? Quel âge d'enfant et de jeune devrait être représenté? Mais pour aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur les thèmes que les jeunes ont partagé avec vous. Si vous voulez aller à la prochaine diapositive, là, vous allez voir ce qu'on a trouvé. Alors, je voudrais parler de ces éléments. Si vous pouvez passer, nous avons comme premier thème, c'est un des thèmes les plus importants. Et dans les discussions avec les jeunes, on a vu que c'est très, très important d'écouter les jeunes et de valoriser leur point de vue. Les jeunes ont expliqué que ça doit être vraiment
l'objectif principal du commissaire, de représenter la réalité des jeunes, d'écouter les jeunes, les solutions, proposer les recommandations des jeunes et leur écouter leurs suggestions pour voir comment améliorer le système par rapport aux politiques et aussi par rapport aux pratiques et défendre les points de vue des jeunes. Et donc, pour que le point de vue des jeunes, leur perspective ne soit pas mis de côté ou être mis sous silence. Donc, avoir une écoute, ça, c'était très important au niveau de l'objectif du commissaire. Et les jeunes ont aussi parlé de la différence entre l'activité réelle et des actions symboliques. Et l'idée que les voix des jeunes sont très diversifiées et que c'est très important de parler de façon authentique avec les jeunes et de répondre à leurs suggestions. Donc ça, c'était ce que les jeunes ont partagé avec nous. Et ça inclut le fait qu'il faut offrir des espaces pour que les jeunes puissent être entendus, qu'on puisse entendre leur point de vue et quelles sont les priorités qui sont importantes pour eux. Il s'agit aussi de collaborer avec eux pour voir ce qui est important pour eux. And from them to inform our own practices in a way that will. Et aussi pour voir comment nous pouvons apprendre d'après ce qu'ils nous ont dit de leur réalité. Donc, ça, c'était le premier thème. La prochaine page, c'est en ligne avec le premier thème. C'était très clair que les jeunes priorisent l'idée d'avoir ou valorisent l'idée d'avoir un commissaire. Donc, beaucoup des participants on dit qu'il n'y avait personne au niveau fédéral qui défendait vraiment la protection des droits des enfants. Donc, par conséquent, bon nombre des enfants et des jeunes qui ont dit qu'ils étaient préoccupés par le fait que les droits des enfants ne sont pas protégés dans les systèmes de prestation de services. Par exemple, ils ont parlé du système de justice pour les jeunes, le système de protection de l'enfance, les contextes de soins de santé et de l'éducation. Et ils ont aussi parlé du fait que les droits des enfants ne sont pas promus ou enseignés aux jeunes et que les droits des enfants ne sont pas mis en œuvre dans leurs pratiques, en particulier dans les lois et les politiques. Donc, de la perspective des jeunes, ils visaient justement les lois, les politiques qui concernent les enfants et les jeunes. Donc, les enfants ont suggéré que le commissaire ou le bureau devrait avoir un rôle à jouer dans la protection des droits des jeunes au nom des jeunes. Mais aussi, ce rôle devrait être axé sur le partenariat entre les jeunes pour les aider à défendre leurs propres droits par autodéfense. Une chose que nous savons des droits, c'est qu'ils sont relationnels. Et comme la sénatrice Pearson dirait, l'idée c'est que les jeunes ne connaissent pas leurs droits, ils ne peuvent pas être conscients de leurs responsabilités. Donc, ce que nous avons appris des jeunes, c'est que ça peut construire une communauté, et lorsqu'on sensibilise les gens aux droits, nous construisons une communauté, parce que l'idée des droits sont liés à la citoyenneté. Les droits des enfants doivent donc être appliqués par le commissaire, le bureau pour les enfants eux-mêmes, afin de garantir le respect et la mise en œuvre des trois P. Le droit à la protection, à la fourniture et à la participation. Prochaine page, il s'agit du troisième thème. Pendant les séances avec les jeunes, jeunes ont parlé constamment des rôles que le commissaire pourrait jouer. Donc, certains enfants ont dit que ce serait important pour le commissaire d'exposer certains enjeux devant le Parlement, au niveau parlementaire. D'autres enfants ont parlé du rôle de commissaire en fournissant en donnant aux jeunes la possibilité de présenter eux-mêmes des choses. Donc, les jeunes devraient pouvoir visiter le Parlement pour présenter leurs expériences eux-mêmes. Certains des participants aussi ont dit que le bureau pourrait viser le rôle de fourniture de plateforme pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Et
Certains participants ont également noté que le commissaire pourrait se concentrer sur la fourniture et des solutions pour aider l'initiative parlementaire pour mieux protéger les jeunes. Le participant a aussi dit qu'on pourrait prioriser des enjeux des jeunes devant le Parlement. Donc, finalement, ces jeunes ont vraiment parlé du fait que le commissaire ne s'écarte pas de l'engagement direct avec les enfants et les jeunes. C'était très important pour eux. Cette constatation suggère que le fait de valoriser les voix et les points de vue des jeunes et d'adopter une approche fondée sur les droits pour travailler avec les jeunes et les jeunes et les enfants est une voie potentielle pour le commissaire afin de représenter les enfants au niveau parlementaire. Et la prochaine diapositive, c'est le dernier thème. Et là, on parle vraiment de cultiver une culture de changement. Les participants ont exprimé un désir de changement dans les communautés ici au Canada. Et le message des jeunes était clair. Alors, par exemple, certains des participants ont mis beaucoup d'emphase sur l'importance d'avoir un bureau de commissaire pour préconiser le changement. Ils ont aussi expliqué que le bureau devrait viser des enjeux systémiques pour qu'on ait fasse des changements à l'échelle nationale. Les jeunes voulaient aussi aider les jeunes qui sont aux prises avec des problèmes difficiles. Les jeunes ont aussi parlé du fait que le changement est très important pour eux et qu'il existe un espace et une opportunité pour les jeunes de travailler directement avec un commissaire pour cultiver le changement au niveau individuel et systémique et de différentes manières. Donc, en réfléchissant aux résultats précédents, il est clair que la création d'une culture où les voix des enfants sont valorisées et entendues, la reconnaissance et la mise en œuvre d'une approche fondée sur les droits pour travailler avec les jeunes et le partenariat avec les jeunes et les enfants pour représenter leur point de vue au Parlement, il est possible pour un commissaire de créer un changement qui aura un impact sur les jeunes canadiens, en particulier pour ceux et celles qui font face à des circonstances difficiles. Donc, c'est juste un survol des constatations dans le rapport. Et je sais que vous êtes nombreux à participer aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre perspective. La dernière chose que je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de résultats qui découlent de ce rapport. Ce que le rapport nous montre, c'est le besoin d'avoir un point de mire pour les jeunes et les enfants au Canada et aussi ça nous indique le rôle important pour les parlementaires et qu'ils pourraient jouer pour en faire une réalité. Et finalement, leur projet sert à un exercice en citoyenneté pour les jeunes personnes et pour ce qui est de leur engagement. Donc, c'était un exercice important pour les jeunes qui voudraient qu'on les entende et qu'on écoute leurs perspectives. Donc, encore une fois, il y a d'autres détails dans le rapport, mais je vais rendre la parole à Josh pour le moment. Merci. Donc, prochaine diapositive. Et ensuite, le travail n'est pas terminé. Il est nécessaire de continuer à travailler à la création d'un défenseur fédéral des enfants et des jeunes au Canada. Nous devons également travailler à la création de points de convergence pour les jeunes à Ottawa et à trouver d'autres moyens de s'assurer que la législation, la réglementation et les autres politiques fédérales sont conçues en tenant compte des enfants. Nous avons utilisé une lentille intersectionnelle pour prendre un soin particulier à comprendre le contexte individuel et collectif, les histoires et les besoins des enfants et des jeunes, et cela doit continuer à être notre approche à l'avenir. Et enfin, nous voyons la nécessité de poursuivre la collaboration. Nous avons rassemblé des jeunes, des parties prenantes, des dirigeants, des universités et bien d'autres personnes pour effectuer ce travail. Et les résultats de cette collaboration, ce rapport et l'occasion historique de faire entendre notre voix à près de 500 jeunes nous rappellent que les jeunes sont gagnants si nous travaillons ensemble en leur nom. Ils veulent participer à ce processus. Donc, nous avons hâte de continuer à faire ce travail. Et sur ce, je vais rendre la parole à Jasmine. Merci beaucoup, Daniela et Josh. Avant de procéder avec les prochains commentaires,
Je veux vous souligner qu'il y aura une période de questions et réponses à la fin des présentations. Donc, si vous voulez noter vos questions, nous allons essayer d'en prendre le plus possible avec dans le temps que nous avons. Donc, je donne maintenant la parole à Terence Hamilton de UNICEF Canada pour nous faire part de ses commentaires. Merci et bon après-midi à la sénatrice Moody ainsi qu'aux autres parlementaires et leur personnel qui se sont joints à nous aujourd'hui pour cette importante conversation. Nous sommes très chanceux ici au Canada d'avoir des parlementaires, en particulier la sénatrice Moody et ses collègues du Sénat, la sénatrice Pearson avant, qui continuent de consacrer du temps et de l'espace aux droits et aux intérêts des enfants au Canada. Ce que nous n'avons pas ici au Canada, malheureusement, c'est l'infrastructure de gouvernance, y compris un commissaire à l'enfance, qui ferait des droits des enfants une réalité dans tous les aspects de leur vie. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Canada a joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant jusqu'à la fin des années 80. Moi, je suis née à la fin des années 80 et comme vous voyez probablement, j'ai beaucoup de cheveux gris, ça arrive rapidement, alors je ne sais pas si c'est à cause de mon travail au chef des enfants ou pour d'autres raisons, mais de toute façon, le moment est venu pour le Canada de faire ce travail, de finir son travail. Le mois prochain, le Canada comparaîtra devant le Comité des Nations Unies chargé d'examiner la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des enfants, comme on a mentionné. Malheureusement, nous ne pouvons déjà anticiper un grand nombre de leurs observations, car la plupart des recommandations incluses dans le dernier examen du Canada en 2012 n'ont toujours pas été mises en œuvre, y compris la nécessité d'avoir un commissaire pour les enfants. Plus de 30 ans après la ratification de la Convention par le Canada, il est temps d'intégrer correctement les droits des enfants dans notre système démocratique. Cela signifie qu'il faut fournir des mécanismes significatifs pour les jeunes, puis se faire entendre sur les questions qui les concernent, s'attaquer à la discrimination systémique et aux inégalités qui en découlent, et d'établir un commissaire à l'enfance au niveau fédéral. La gouvernance des droits de l'enfant n'est pas non plus une simple question d'opportunité. Le Canada s'est classé 30e sur 38 pays à revenus élevés dans le plus récent rapport de l'UNICEF sur le bien-être des enfants et des jeunes. Et bien sûr, de nombreuses raisons expliquent ce classement décevant, mais une chose que nous pouvons constater dans les comparaisons internationales, c'est que les juridictions qui ont mis en œuvre la Convention de manière adéquate et approfondie obtiennent de meilleurs résultats dans tous les domaines du bien-être des enfants. Et je suis heureux aussi que Mme Bendo a souligné que il s'agit aussi d'un exercice dans le domaine de la citoyenneté. Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans, bien sûr, sont des citoyens qui n'ont pas le droit de vote. Malgré les initiatives de la sénatrice McFedrin, entre autres. Mais dans une démocratie représentative comme le Canada, cela signifie que leurs droits et leurs intérêts nécessitent une attention particulière. On a besoin d'un commissaire à l'enfance. Ce serait tellement un grand pas dans cette direction. Et comme cet engagement l'a montré, les enfants et les jeunes eux-mêmes savent ce qui en est jeu. Ils comprennent ce que sont les problèmes et ils veulent des comptes. Au nom d'UNICEF Canada, je vous remercie encore une fois. Je remercie la sénatrice Moody et son personnel exceptionnel. Docteur Daniela Bendo, à Cheyenne Matnam, à Erwin Elman, à Kelsey Besson, à Children First Canada et à la Fondation Laidlaw. Et surtout, bien sûr, à la sénatrice Landon Pearson et aussi, surtout, aux nombreux enfants au pays qui ont contribué à ce rapport. Merci, Terence. Ensuite, nous avons Cheyenne Ratnam de la Coalition pour la promotion des enfants. Bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction, Jasmine. Je suis la cofondatrice de la Coalition pour la promotion des enfants. Je me joins à vous à partir du territoire de la traité 18 à Toronto. Et je veux surtout remercier la sénatrice Moody ainsi que son personnel pour appuyer les initiatives des jeunes. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas beaucoup ma coalition,
nous voulons aider les jeunes et nous voulons s'assurer à ce que les jeunes participent pleinement dans leur vie pour ce qui est des changements. Alors, comme une personne qui est arrivée au Canada en tant que jeune réfugié qui a grandi dans le système de bien-être pour les enfants, j'ai connu la marginalisation. Et comme une personne qui a grandi avec des pères qui n'avaient pas beaucoup de droits, je comprends l'importance de cette initiative pour tout ce qui est de toutes ces initiatives. L'interprète regrette, mais l'intervenante n'a pas de casque et le son est très difficile. Ça a été un voyage formidable avec cette équipe pour travailler pour nos jeunes au Canada. Je veux aussi remercier les gens qui ont lancé une autre initiative pour les jeunes personnes autochtones. Il y a un autre rapport qui a été produit à ce sujet. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce rapport concerne les voix des jeunes. Les jeunes qui viennent de un peu partout au pays, mais ces jeunes sont très importants dans l'élaboration de politiques, de règlements et de lignes directrices sur tous les niveaux afin de promouvoir beaucoup de changements positifs. Cette décision ne peut pas être, prise sans la perspective des jeunes. Et il faut comprendre où sont les lacunes. Quand il s'agit des jeunes et de leur potentiel et de leur guérison, je pense que c'est important de tenir compte. Et je suis très fière de travailler avec l'équipe de la sénatrice Moody. Merci beaucoup aussi à la docteure de Daniela Bendos pour son rapport. Et merci aussi à tous les jeunes qui ont collaboré, qui nous ont parlé de ce qu'ils ressentent et pour que nous puissions recruter les jeunes. Merci à tous ceux qui sont là aussi pour soutenir le lancement de ce rapport. Il ne faut pas faire en sorte qu'on entende la voix des jeunes. Il faut ouvrir le rapport, il faut le lire. Merci beaucoup, Cheyenne. Je vais passer la parole à Erwin Ellman de la Fondation Laidlaw. Merci. Oui, je devrais savoir comment allumer mon micro avec 2 ans de pandémie. Donc, je sais que je vais vous parler rapidement. Merci beaucoup à la sénatrice Moody d'avoir créé cet espace. Et ce qui n'a pas encore été dit, c'est que ça a pris du courage pour déposer ce projet de loi. Ça a pris du courage. J'ai regardé les débats au Sénat et c'était difficile et ça a pris du courage pour faire avancer ce projet de loi. Donc, la sénatrice, je pense, sait quel est le courage que ça a pris pour les jeunes, pour que Karen, Cyan et Kelsey et Josh et Alex et d'autres ont rassemblé. Ça a pris du courage pour que ces jeunes prennent la parole à tant de réunions à travers le pays, car nous avons demandé de façon intentionnelle aux jeunes de parler, ceux qui étaient le plus marginalisés. On a demandé des gens qui étaient racialisés, qui étaient autochtones, et Cheyenne a fait en sorte qu'il y a eu un rapport particulier des autochtones, des jeunes autochtones. Et c'était très courageux pour eux de nommer le monde. Ça prend tout un monde. Ils nous ont donné leurs histoires. Et avec ce rapport, la docteure Bendo nous a parlé de ces histoires qui nous ont été données avec beaucoup de courage. Et je pense à Thomas King. Et je vais conclure. Lui, il a rédigé des histoires dans un livre. Et il a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette histoire. Et ça inclut la sénatrice Moody, mais pour toutes les
parlementaires ici qui vont lire ce rapport. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces histoires, ces jeunes courageux qui ont nommé le monde, qui ont essayé d'influencer le monde, et ça, ils vous l'ont offert. Vous pouvez aller de l'avant avec votre projet de loi. Vous pouvez rédiger un article. Vous pouvez dire, voilà ce que j'ai fait. Vous pouvez mettre ça sur votre curriculum vitae. Vous êtes des parlementaires. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce rapport. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas vivre comme si vous n'avez pas entendu leur voix. Vous les avez entendues. Alors, dès que vous terminez cette réunion Zoom, c'est à vous de décider qu'allez-vous faire. Car maintenant, ces jeunes vous ont donné leurs histoires en toute confiance. Et je vous dis que c'est important d'honorer ces histoires, de les respecter, d'en prendre soin et de faire quelque chose avec. Maintenant, ça fait 40 ans que ces histoires ont été racontées. Maintenant, vous l'avez directement, vous avez leur voix. Qu'est-ce que vous allez faire? Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Erwin, et merci à tous ceux qui ont présenté aujourd'hui. Étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps, nous allons essayer faire en sorte que nous puissions passer à une période de questions avec la sénatrice Moody, l'honorable Landon Pearson, Daniela et Josh. Alors, nous avons des questions dans le clavardage. On va voir. Première question. Nous avons une question. Je pense c'est pour la sénatrice Moody et peut-être la docteure Bendo. Alors, la première question. Bien que ce travail de défense des droits des enfants continue, est-ce qu'il y aurait maintenant la possibilité de réagir à d'autres projets de loi qui sont devant la Chambre des communes et au Sénat? Alors, moi, je pourrais commencer. Réponse. Alors, je voudrais remercier tout le monde qui a participé dans cette étude très importante. Alors, il y a des gens qui ont pu être reliés à différentes organisations. Donc, il y a potentiellement un réseau qui pourrait être officialisé à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est pas devenu un réseau officiel. Nous avons tout de même accès aux différents groupes et aux jeunes qui ont aidé pour que nous puissions avoir un contact direct avec les jeunes. Et on voudrait continuer le dialogue au fil du temps, surtout quand on essaye de voir comment va se présenter le prochain projet de loi. Merci, sénatrice. Daniela, si vous avez quelque chose à rajouter, il y a une autre question pour vous dans le clavardage. La question, est-ce que vous pouvez dire si les Premières Nations, les Inuits, ont participé dans le processus de consultation? Merci. Oui, alors, je pense que pour reprendre ce qu'a dit la sénatrice Moody, Josh et moi-même, on y a réfléchi et nous pensons que c'est très important. Dans ce rapport, on parle de participation authentique et je pense que il y a la responsabilisation vis-à-vis des points de vue des jeunes. Donc ça va faire partie des prochaines étapes. Josh, on en a parlé un petit peu. Et aussi, par rapport, si vous regardez le rapport, vous voyez toutes les organisations qui sont participantes. Donc, vous pouvez voir dans le rapport. Alors, la réponse, c'est oui. Mais vous pouvez regarder du côté visuel. Vous voyez les différentes provinces et territoires où il y a eu de la participation. Et peut-être que Josh pourra vous en parler un petit peu plus de ces éléments. Mais nous avons toutes ces informations dans bien du détail dans ce rapport. Josh, oui, je pourrais rajouter quelques mots. On a mentionné le rapport A7G. Il y a eu un processus qui s'est fait avant que nous commencions. Nous avons pensé que ces collectivités, eh bien, ils ont travaillé de leur côté. Nous avons ce rapport.
Alors, Kelsey, c'est l'une de nos collaboratrices et elle a ces informations. Et comme Daniela l'a indiqué, nous avons eu bien des groupes de jeunes et c'était des groupes diversifiés. Il y avait des jeunes autochtones de différents milieux, milieux urbains et ailleurs. Et nous voulons s'assurer que beaucoup de groupes soient représentés. Alors, nous avons passé du temps avec les jeunes qui sont des immigrants récents. Et nous avons tenu compte de la diversité régionale aussi, c'était important. Alors oui, ça a fait partie de comment on a conçu ce projet. Merci. Alors, nous allons terminer avec une dernière question. Cette question, je dirais, ce serait pour la docteure Daniela Bendo et aussi l'honorable Landon Pearson ou la sénatrice Moody pourrait répondre. Alors, comment est-ce que les jeunes peuvent participer à l'avenir? Je pense que je pourrais vous expliquer qu'on en a parlé dans notre dernière réunion vendredi par rapport aux prochaines étapes. Alors, en tant qu'équipe, il y a eu beaucoup d'idées. En tant qu'équipe, c'est à notre responsabilité de voir comment nous allons continuer, et nous allons devoir collaborer avec les jeunes pour voir ce qu'ils aimeraient voir comme prochaines étapes. Donc, c'est à l'ordre du jour. Mais d'autres peuvent en parler ou peuvent prendre la parole aussi pour répondre à cette question. Sénatrice Pearson, je pense que vous aimeriez bien en parler. Eh bien, moi, je participe à créer un processus à Carleton. Il y a une séance spéciale qui a eu lieu il y a 20 ans et le 10 mai, il va y avoir un anniversaire. Nous avons pu mettre au point un élément pour les jeunes et il y a les jeunes qui ont participé et le projet c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir autant de jeunes que possible. Espérons que certains avec lesquels vous avez déjà communiqué trouvent tous les moyens pour faire en sorte que nous puissions faire en sorte que les préoccupations des jeunes, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 40 ans, il y a des questions par rapport au changement climatique, c'était pas la réalité à l'époque, il y a les pandémies, à l'époque c'était différent, il y avait le VIH. Et nous essayons de voir quelles sont les questions qui peuvent avoir un incidence sur les vies personnelles. Et ça, c'est très important. Alors, nous espérons que les jeunes vont nous expliquer quel serait un monde acceptable pour les jeunes, acceptable pour tout le monde, de quoi ça a l'air, quelles seront leurs recommandations. Donc, c'est un sujet très large. Mais c'est vraiment important, car sans les jeunes, et moi j'ai mes petits-enfants qui me préoccupent, alors il faut un monde dans lequel ils puissent vivre, qui leur soit acceptable. Merci. J'ai vu que, Megan, vous aviez quelque chose, si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y. Merci, Jasmine. Moi, je voulais vous parler du réseau, comment le réseau pourrait travailler sur différents enjeux. Nous sommes très fiers que nous sommes une alliance de toutes ces organisations de jeunes et on essaye de faire participer des jeunes à travers tout le Canada. Alors, c'est possible pour les parlementaires d'avoir une communication directe avec les jeunes. C'était l'un des seuls endroits où on peut
d'être autour d'une même table pour avoir une discussion. On ne peut pas discuter de tous les sujets, mais on essaye quand même de s'attaquer à différents sujets. Il y avait la sénatrice Moody, et la sénatrice McFedrin aussi. Alors, merci à vous tous. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens vont pouvoir utiliser. Ça va être important. Oui, je devrais savoir comment allumer mon microphone tout de même. Alors, je voudrais remercier tout le monde. Et merci pour vos questions. Merci pour vos remarques. Alors, je vais demander à la sénatrice Moody de dire quelques mots pour clôturer notre séance. Merci, Jasmine. En terminant, je dois dire que j'ai beaucoup de gratitude. Alors, pour tous ceux qui se sont joints en nous pour le lancement de ce rapport et pour tous ceux qui ont travaillé dans le processus de consulter. Merci beaucoup. En tant que pédiatre, les enfants et les jeunes ont été au centre de mes intérêts. Quand j'étais nommée au Sénat en 2018, j'ai continué avec cet intérêt. J'ai continué à travailler pour amplifier les voix et les expériences des jeunes. Pour tous ceux qui travaillent à ces questions, c'est important et c'est clair pour nous tous que les enfants n'ont pas tous les droits et les privilèges de la société. Leurs besoins, leurs voix et leurs réalités sont souvent mis de côté, ne font pas partie des dialogues et des institutions. J'ai représenté ces questions dans la communauté, au Parlement et dans ces événements. Et vous allez voir qu'il y a un thème récurrent dans ce rapport. Canada prend du retard pour protéger les droits des jeunes et des enfants, pas simplement en tant que nation, mais en tant que dans la communauté mondiale. Le rapport de 2021, les statistiques indiquent que la pauvreté des enfants est un problème dans toutes les juridictions du Canada et c'est exaspéré par les mesures pour réduire la pauvreté avec la pandémie. En 2019, un enfant sur cinq vivait sous le seuil de la pauvreté. Et ça prendrait 54 ans pour éradiquer la pauvreté pour les enfants si on maintenait notre rythme. Et ces problèmes sont surtout préoccupants dans les milieux autochtones. Ce sont des exemples de comment nous n'arriverons pas à faire en sorte que les droits des enfants fassent partie de nos prises de décision de la législation et de la démocratie. Un commissaire au niveau fédéral pour les jeunes et les enfants est un pas essentiel pour effectuer des changements importants et concrets pour les jeunes au Canada. Et c'est un rôle que les jeunes au Canada nous ont dit qui voudraient voir réaliser dans nos institutions au niveau fédéral. Les jeunes personnes qui ont contribué à ce rapport sont prêts, ils sont emballés et ils veulent participer à notre processus décisionnel. Ils veulent prendre la parole pour eux-mêmes et se représenter eux-mêmes. C'est pourquoi je suis convaincue que ce que le rapport représente ce que les jeunes qui ont participé nous ont dit. C'est pourquoi ce lancement aujourd'hui a été formaté comme vous l'avez vu cet après-midi, parce que les jeunes nous ont dit comment eux, ils voulaient présenter le rapport. Pendant ce processus de consultation et en rédigeant ce rapport, en organisant cet événement, notre mission tout au long a été d'habiliter les jeunes. Alors, s'il y a une chose que vous allez retenir cet après-midi après la présentation et après avoir lu le rapport, j'espère que vous allez reconnaître le fait que les jeunes et les enfants sont des acteurs égaux, ils sont des partenaires en se tournant vers l'avenir, vers un Canada plus inclusif et équitable. Et donc, sur ce, je voudrais remercier plusieurs personnes qui, j'espère, sont en ligne avec nous aujourd'hui. Premièrement,
Je remercie nos conférenciers, l'honorable Landon Pearson, qui a été la première à proposer un tel avocat pendant qu'elle était encore au Sénat et présidente du comité des enfants. Madame Daniela Bando, professeure à King's College. Daniela a été un acteur essentiel dans la rédaction de ce rapport en concevant l'étude et pendant le processus de consultation. Nous n'aurons pas pu le faire sans elle. Simi Sahota et Megan Jack, deux jeunes leaders parmi les jeunes qui ont développé ce rapport, ils font partie de Les Enfants d'abord Canada, le Parlement des jeunes canadiens et de leur conseil consultatif. Ensuite, Josh Dajo, qui est un co-rédacteur de ce rapport, qui a passé des mois à travailler sur ce projet et a joué un rôle très important, et Josh aussi, ainsi que Terrence Hamilton, qui, Josh, a joué un rôle clé dans la conception du rapport et en guidant le processus. Je veux également remercier Terrence Hamilton, spécialiste en politique à UNICEF Canada, Cheyenne Ratnam, fondatrice de la coalition Ontario Children's Advancement, et Erwin Ellman, membre et consultant spécial à la Fondation Laidlaw. Vos commentaires aujourd'hui, Erwin, nous ont laissé avec beaucoup de matière à réflexion. Il a joué un rôle important dans ce rapport aussi. Et aux autres collaborateurs, nous avons travaillé avec UNICEF Canada, les Enfants d'abord Canada, avec la Coalition pour l'avancement des enfants, la promotion des enfants et la Fondation Laidlaw. Je remercie mes collègues parlementaires aussi qui ont participé aujourd'hui. Et à tous les jeunes et les défenseurs des droits qui nous ont aidés à faire des progrès à ce sujet. Et je remercie tous les jeunes, les centaines de jeunes leaders qui sont venus nous parler des raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un commissaire pour les enfants. Ce rapport n'existerait pas sans votre collaboration et vos contributions. Après cet événement, le rapport sera disponible sur le site web en temps réel. Et cet événement sera disponible aussi sur le site web et sur le site web du Sénat du Canada. Un enregistrement sera partagé aussi en ligne. Mon équipe va partager un courriel avec ces liens à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, mais nous allons aussi envoyer cela aux défenseurs des droits des enfants dans la plus grande communauté dans les semaines à venir. Merci encore pour votre temps, tout le monde. Et si vous aviez des questions dans les jours à venir, sentez-vous libre à prendre contact avec mon bureau. Alors, bonne lecture à vous tous. Merci beaucoup. And with that, we end. Sur ce, nous terminons le lancement aujourd'hui. Merci.